J'adore. Ah, Marie. Non, Marie. C'est quoi ça? Regarde. C'est la chaîne YouTube par mode d'emploi. La chaîne YouTube? 50 000 abonnés, mon pote. 50 000? Tu peux voir les abonnés en entier. Allez, ça, allez, ça, viens voir. Alex, chaîne YouTube, 50 000 abonnés. Il y a 50 000 abonnés. Sérieux? La chaîne YouTube par mode d'emploi. Les 50 000? Oui. Ben, ils sont là. Regarde, ça va. Salut les 50 000! Hey, merci les amis! Merci beaucoup! 48 000! 48 000, c'est Serge! Salut 48 000! C'est Serge! On est très très contents! Alors, on espère que vous avez aimé la saison 6. On est en train de tourner la saison 7. Et pour vous remercier de cette fidélité, et ben. Un bêtisier! Un petit bêtisier! Tout simplement! À bientôt! Ah, merci, merci, merci! Merci, merci! N'oubliez pas de vous abonner! Ah ouais, mais c'est trop bien comme truc, mais après, faut que je rêve les bonnes choses! Ah, bah ça, c'est sûr! Si tu rêves que tu te lèves tous les matins très tôt pour aller travailler, c'est plus prémonitoire. Ça passerait comme ça, crème. On répète ou on tourne? Non, on tourne. Oh, merde. C'est quoi déjà un rêve prémonitoire? Eh ben, c'est quand tu rêves quelque chose et que ça... Au bout? Laetitia! C'est pas possible, elle est où? Laetitia, tiens, Paul! Appelle à toi. Est-ce que tu sais où est ta sœur? Quoi? Mais elle est pas dans sa chambre, le lit est fait, donc elle a découché. Non. Burnout. Laetitia! C'est possible, enfin, elle est où? Ah, t'es là, toi. Paul! Paul, est-ce que tu sais où est ta soeur, s'il te plaît? Quoi? Elle est pas dans sa chambre, le lit est fait, elle a découché. Non. Non, non, elle a... Laetitia! Laetitia! Laetitia, elle est pas dans sa chambre. Paul, tiens, hey, Laetitia! C'est beau, ça. Ah, ouais. Mais j'hésite à prendre la culotte qui va avec. La culotte? Ouais. J'hésite à prendre la culotte. Je comprends. C'est bon, hein? Ah ouais, c'est sexe, hein? Mais j'hésite à prendre la culotte. Excusez-moi. Je te dis que c'est calé, t'es têtu, hein? Ouais, c'est calé, ouais. Quoi? Vas-y, vas-y, bon. Mais dis donc, regarde-moi. Qu'est-ce que t'as fait? Ah ben non, j'ai rien fait. Si, t'as fait quelque chose à mon jus d'orange. Ah non, je te jure, j'ai rien fait. Pourquoi il est pas bon? T'as craché dedans. Non, j'ai pas craché dedans. Mon Dieu. Non, mais t'es pas au courant, il essaie de gérer une meuf qui est en licence d'histoire, donc du coup, il a révisé tout le programme. Ah, ok. Oh, purée, tu m'as fait peur. Chérie, je t'avais perdu, mon loulou. C'est cool. Bah, non, mais... Si ne serait-ce qu'une seule fois, vous ne respectez pas une des règles que je viens d'énoncer dans le règlement... Attends, c'est quoi, là? Bah, c'est quoi, la phrase? Hein? Ah oui, si vous, si ne serait-ce, si ne, si ne serait-ce, si, ne, si, 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 si oui, oui, ok, 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 oui, 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 laissez-moi, oui, c'est, j'ai compris, si vous manquez, quand toujours, quelle année, si vous manquez une seule fois, oh, je sais, si vous manquez au règlement, ne serait-ce qu'une... Ça va, chatou? T'as envie de péter, qu'est-ce qu'il y a? Non, t'es toute crispée. Si vous manquez au règlement, ne serait-ce qu'une seule fois, c'est terminé. J'explose la carte. Elle n'existe plus. Vous n'entrez plus. Et j'insiste là-dessus. C'est marqué, vous l'avez sur le règlement. Tout oubli ou non-respect des règles ci-dessous entraînera une exclusion du club à vie dans un retrait définitif de la carte. Ne venez pas me voir après en me disant « Oui, tu as dit que... » Je n'ai pas dit ça. D'accord, mais, non, mais je dis ça, c'est par rapport au fait que d'habitude on dit eh, faut ramasser les lunettes des toilettes, oh. Ah bon? Non, mais c'est par rapport au fait que d'habitude. C'est par rapport au fait que d'habitude. C'est par rapport au fait que d'habitude. C'est par rapport au fait que d'habitude on dit toujours tu ramasses les lunettes des toilettes, oh. Ah bon? Non, c'est par rapport au fait que d'habitude. Non, mais c'est par rapport au fait que d'habitude on dit toujours les lunettes des toilettes. Ah.
9,5. Non, mais ça, non, mais c'est important. Non, attends, je vais finir ma phrase, faut que je finisse ma phrase. Il y a pas de problème, mais tout à l'heure, je me suis dit que c'est parce que t'étais jeune. Ah, pardon, putain. Je veux dire, ça compte, ça finit par ça compte énormément. T'entends énormément qui arrive, tu dis c'est pour moi, d'accord? Vas-y, on recommence. Non, mais c'est important à cet âge-là, ça compte énormément. Ah, je le savais. Allez, champion. Tu me fais mal. C'est des rougeasses, quoi. Ça sent le jus de chaussette qu'aurait mariné dans son jus. Ah, et bah, attends, bouge pas, je vais te dire le dernier truc. C'est trop. J'ai... Mais qu'est-ce que tu fais avec tes t-shirts? Je sais pas, tu... Qu'est-ce que tu fais? C'est dégueulasse! Non mais Gabriel, je t'explique. Mon boss et sa femme, ils ont 55 ans, d'accord? Et ils ont pas d'enfants. Donc c'est pas vraiment le genre à bouffer des cookies qu'on met au micro-ondes. Non, parce que tout à coup, je me suis bien dire, c'est complètement pas naturel de se mettre, de parler comme ça. Mais tu vois, genre, je cherche la caméra. Ok! Tu verses la compote dans le plat gâteau, tu saupoudres de cannelle, c'est chiant la cannelle, t'en as là oui. Voilà, tu saupoudres de cannelle, moi je prends les cookies, j'effrite les cookies au-dessus. Moi je prends les cookies, j'effrite les cookies au-dessus. Non, arrête. Putain. Ah, j'effrite les cookies, ça me fait rire. Je sais. Je prends les chococrocs, je racle les chococrocs, j'enlève la partie chocolat et ça fait des petits biscuits secs. C'est triste les petits biscuits secs. Ils vont... Mais qu'est-ce que t'as, putain. Casse-couille. Putain, mais je... C'est quoi ce... Vous enregistrez ça? Ah, t'es là. Oh, génial, merci, tu me sauves. Hein. Qu'est-ce que t'as pris en dessert? Alors, j'ai pris des chococrocs et des cookies. Mais attention, hé... Rap. Allez, vas-y. Qu'est-ce que tu fais? Non, tu vas pas rappeler la compote. Ah, qu'est-ce que tu fais? Mon amour. En fait, t'es en train de me dire que tu t'es fait chier comme moi aujourd'hui. Aïe, aïe, aïe. Bah ça veut dire qu'on a pas bien fait notre boulot. Ah bah non. Ça veut surtout dire qu'on sera jamais seul. Bien joué. Ouais. Fais une capture d'écran. La grille, une capture d'écran, s'il te plaît. Oui, il est minuit 00, ça fait 4-0, ça va... Ça... Pardon. J'ai trop gueulé. Le mec super vénère. Oh putain, excusez-moi, mais il est trop con. Bon, je le fais pas. On a 75 ans, quoi, d'un coup, là. Je le fais pas. C'est bon? Allez. Allez, on y va. Oh, merde. Ouais, mais je veux... Non, mais je veux dire, voilà, t'aimes bien l'eau au charbon, quand t'as un problème, t'as... Laetitia! Voilà, bah appelle Laetitia, au moins. Chargé. Non mais c'est un truc de ouf quand même hein. On prend la queue qu'on veut et bah putain. Non mais c'était titre de ouf, il y a eu combien de titres là. Eh, tu connais toujours le mec? Il sort son téléphone pour voir le temps qu'il fait dehors. Alors? Et là je rentre dans la cuisine, le mec il me regarde, du coup je le regarde. Et il me fait, hey, c'est quoi ça? Et là, je lui fais... Et là, je rentre dans la cuisine. Et le mec, il me regarde, il me fait, hey, c'est quoi ça? Et moi, je fais, hey, mais c'est quoi ça? Attends, je me suis... Vas-y, dis-moi, c'est quoi? Bah, rencontre fortuite avec un animal sauvage. Déshydratation. Fracture du pied. Foulure du périnée. Foulure du périnée. Ah bah, tu verras, la déco est démente. Hein. Bon, plus que les cris d'animaux, on se croirait dans la jungle. J'ai dit que j'étais désolée. Et tourner ta langue cette fois dans ta bouche, ça dit quelque chose ou pas? Stop! Oh putain, t'as pas compté trois. T'as pas compté trois. Stop! Oh là!
Tu tiens pas. Bon là, ça suffit. Oh putain, Arnaud. Bon là, ça suffit maintenant. Putain. Je sais pas, je l'ai lu bon, deux, trois fois, quoi. La campagne anglaise, Un amour impossible. Qu'est-ce que tu fais, putain? Je sais pas, j'ai pas un mot. T'as jamais vu? Bah, c'est du flan, je fais. Ok. Ah oui, d'accord. Mais tu l'as lu? Ah oh, bah attends, bien sûr, c'est un de mes livres préférés, donc je l'ai lu. Vas-y. Mais tu l'as lu? Bien sûr. Tu connais ça? Orgueil et préjugés. Hey, maman. Oh, il t'a l'air bon tes cornichons. Ça va? Ah oui, je vais. Tiens. Merci. Oui, t'es gros. T'aimes bien les gros cornichons, toi. Allez, j'en ai été sûr. Allez, c'est bon, vas-y. Ils ont l'air bon tes cornichons. Ça va? Non, ça va. Non, ça va vraiment. Oh, puis ça me rappelle trop de trucs. Non. Sois pas feignant, Roger. Sois pas feignant, Roger, c'est amusant. Roger, c'est amusant. Tu coupes un peu trop tôt. Un bac de chips. Allez, allez, allez! Tu vas y arriver! Oh putain! Attends, je suis pas là! Un paquet de chips! Ou un bon vieux celui! C'est bon, je vais l'arranger! Attends, j'ai envie. Et t'as l'impression de croiser souvent son regard? Ah oh ouais, carrément! Et après, j'ai les mains moites! Ah, c'est normal ça! Et quand vous faites la queue à la cantine? Qu'elle est devant toi, que vous. Quand vous faites la queue à la cantine, si elle prend des crudités ou une salade, ou des radis, toi ça te fait. Quand vous faites la queue à la cantine. Et quand vous faites la queue à la cantine, si elle prend des crudités, des radis, tu vois, des concombres, ça te fait bizarre. Quoi? On est une famille unie, stable, sans histoire. Maman, est-ce que tu peux dire à ce gros Paul de Port qu'il arrête de fouiller dans mes sous-vêtements? Je suis sûre qu'il les vole pour les mettre en cachette. Tu peux dire à ta mère d'arrêter de ploter les flèches du plou... Vous avez tous perdu vos consonnes? Pourquoi j'arrive pas? Est-ce que ce gros Paul de Port... j'ai fait semblant de ne pas me rendre compte, mais quand même... Vas-y, 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 je le tiens, c'est bon. Vas-y. Je te laisse le fouet, je prends la fourchette. Hein. Mais je sais pas faire la maillot de tête, donc... Et voilà. Oh, elle est bêche, quoi, putain, elle est folle. Hein. Allez, vas-y, je te laisse le fouet, je prends la fourchette. Hein. Je sais pas faire la maillot de tête, donc... Et voilà. Donc c'est pas périmé, alors? Pas du tout. T'avais pas compris. Bien joué. Tu vois là. Enfin, Alix. Attends, Château, ils ont peut-être pas tort. Eh non, les œufs périmés et tout, c'est hyper grave. Enfin, c'est Gabriel, tu sais quoi? Non, c'est pas ça. C'est froid. En fait, il sort du congélateur. Ça saigne les gencives, la gonzesse. Oh, mais tu es une mère parfaite et une épouse modeste. Merci, mon amour. T'as saucisse. Ah. Cool. Fais gaffe. Merci. Ça, Elsa Morin, ça te dit quelque chose? Ah non, s'il vous plaît, pas elle. Non, mais elle raconte toute sa vie. Bam! On la like. Allez, hop. Ensuite. Tu déclenches des trucs, je ne sais même pas comment tu fais. Ça, c'est un talent que j'ai. Sur les ordinateurs, Elle tape tellement fort que... Tip top, ton petit chaton. Bam! Fallait que ça arrive en vrai. Vas-y, je prends une pêche quoi, les gars. Je vais me la faire. Non, Gabriel, je vais me la faire. Dans ce social, il n'y aura plus rien. On changera d'école. Arrête de regarder la caméra, c'est pas un documentaire, c'est pour de faux. Et ben, on espère que vous avez aimé cette petite vidéo. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner, les amis. Ouais. Cliquez quelque part là, ici ou là. Là, ou là, peut-être là-bas. Là. En haut là, ou en bas. Peut-être là.
Ou peut-être là sur sa gueule. Comme ça, sur son visage. C'est mieux.